C'est le start ou quoi? La pression elle arrive, faut pas l'avouer. 4 km pour la mi-journée, c'est pas mal. C'est pas sûr. Bah ouais, c'est pas énorme, je suis d'accord. I said hello to warm you up, but you had to go. What is the line? Sinking deeper in our own time. You laid the fine, wrote me off and cornered my mind. Belle journée, un tout grand merci, un tout grand merci. Merci beaucoup. Time me up, oh, in your own time. C'est un moment dur là. 18 km qu'on monte. Il reste plus que 2 km. Et il est 19h30. Hey. Allez, champion. C'est dur, hein. On est où là? Pré-Lombard. Pour faire ne pas répondre. Magnifique camping à Tarascon sur Ariège. Le club de Roté. Oh là là, il est chaud, il est toujours chaud. Et qui fait quoi de beau? Regardez-les. C'est un filardier. On est chaud. Coldagne, un petit bijou, la vue absolument splendide. On est là le bon jour, donc on profite. Hein, que demander de plus, Nico? Une petite soupe. On est en train de chercher un endroit. Une grange pour animaux. Regardez-les, tous en train de grelotter. On a trouvé un gîte d'étape grâce à une dame super gentille. Journée pluvieuse. Notre arrivée fut radieuse. L'une des rares fois où il est en tête. Pour mieux attaquer dans le dernier col et remporter la super prime. Style baguette à l'ancienne. Ça, moi j'avoue justement, je suis pas. Enfin, ça me dérange pas plus, mais la vieille baguette blanche me dérange pas plus. C'est passé quoi ici? On dirait oui Nelson. Philippe Gilbert est tombé ici. Un nouveau spot avec des potes. Le spot pot. Voilà.
Total Concept qui arrive. Une grosse équipe du Tour de France. De retour sur la route de la RGP, Christophe Fourmi, le jeune. Oula, le pauvre, il est en train de dormir. Il est dans le dur. L'aigle de Wallonie. Il préparait pour le Tourmalet. Regardez-les, ils marchent. Ils n'auront donc pas fait le RGP en entier. Peut-être un des cols les plus durs de tout le périple. Bravo à lui, bravo Nico. Un petit mot à chaud là à votre arrivée. Plus dur. C'est souvent comme ça, les cols les plus méconnus sont les plus durs et les plus beaux. Pito, un petit mot peut-être à chaud pour cette arrivée ici à Bagargi à 1327 mètres d'altitude. Eh ben, il n'est pas connu ce col, mais il est pire que le Tourmalet. Voilà, je pense que tout est dit, tout le monde a la même sensation ici. Je vous rends les studios. Ah, c'était dur, un monstre. Un monstre. Comme quoi les plus durs sont pas forcément les plus connus. Voilà, et c'est le même commentaire pour tous les quatre. Regardez-moi tous ces hommes sérieux. Même en bivouac, ils restent connectés à la société.